Trackmania Stadium que je veux jouer, oui voilà. Je me disais, j'étais du père là. Train serveur round. On y va les gars. Eh, on y va directement en round, on en a rien à foutre, ok. C'est juste parti. On va s'entraîner face aux meilleurs joueurs du monde. On va choke. Et on va s'entraîner en condition réelle avant de repartir en time attack. Tu vois, j'essaie de swap un peu entre les deux à chaque fois. Voilà. Attends, c'est quoi déjà la map? J'ai la map quoi là? J'ai quelle caméra? Non, je joue en caméra 2 moi. Ouais, je joue en caméra 2. Ah merde, j'ai appuyé B. Oui, bon, c'est pas grave. Je jouerai la prochaine. Papa, papa, Yako. Wesh! Attends, mais c'est quoi ça qu'il a fait? Oh le nul! Oh Yako, la merde! Oh Yako! Il a failli smurfer en plus hein. Il a failli lourdement smurfer hein. Je viens de fail world record. Ah mais là avec son truc honnêtement, il était bien hein. Avec son truc il était vraiment vraiment bien là. Merde attends, j'étais pas prêt. C'est bon, je suis prêt là. J'étais pas prêt dès le début mais c'est pas grave. Merde. C'est pas grave ça, ça c'est pas grave. J'appuie sur haut pour les ghosts. C'est pas grave, c'est calculé, regardez, c'est calculé. Pour mieux passer. Bon j'avais pas la vitesse mais c'est pas grave. Là c'est les rounds donc en gros ça veut dire que je dois pas choke. Jure, ça passe pas ça? Oh ça, ça passe pas. Faut que je prenne plus large, plus comme ça. Voilà, ça passe easy. Ok. Et là, je full speed jusqu'au bout. J'aurais pas le temps de finir un map parce que j'ai trollé, hein, mais tranquille. Au moins, si jamais j'arrive à passer le cut. Yes. J'ai passé le cut déjà, c'est bien. J'ai pas pris après. Ah non, j'ai pas pris la roulée. Dommage. Tranquille, c'est le début. C'est le temps de se remettre un peu dedans. Vous allez voir le level d'un mec qui n'a que 10 heures de jeu. C'est pas facile, mais tranquille. Là, ça a changé de map, ok. Celle-là, j'ai tendance à la troller aussi un peu. Enfin, de toute façon, je les troll toutes un peu, les maps. Mais parfois, j'y arrive. Donc let's go. Vas-y, arrivez, je te spec et j'analyse un peu. Papa, papa, Yako qui va me donner des conseils, let's go. Prends le cut, t'inquiète, je prends le cut. Regardez, ça, c'est une run parfaite. Hein. Ça, c'est une run parfaite sur celle-là. Mon meilleur, moi, c'est un sub 40, qui est déjà excellent, je prends un sub 40. Non! Dommage. Ok. Là, le problème, c'est que je sais pas comment le prendre ici. J'ai l'impression que parfois je dois ralentir un peu. Ok, ça c'était pas mal. Oh merde! Oh merde! Attends, il faut que je me remette dedans. Tu vois, là, je fais un gros XT. Tourmenté. Non, ça c'est facile en plus, ça. Ça c'est facile de ouf, ça. Après tu freines bien. Après est-ce qu'il vaut pas mieux wall it ici à ce moment là? Je me demande s'il vaut pas mieux wall it. Merde j'ai été trop rapide. Ok donc là faut que je ralentisse, très bien. J'ai le choke mais tranquille, tu vois c'était l'échauffement histoire de me remettre un peu sur la main. Merde j'ai trollé, j'ai pas assez tourné. Ouais je me disais bien que j'avais pas assez tourné là déjà. En fait faut que je tourne plus tôt. Là je sais comment je fais, d'habitude je tourne ici tu vois. Là je tourne ici, non ça passe tu vois. Ah, ici ça passe tu vois. Voilà. Après faut que j'arrive à prendre une trage ici. Ok ça c'était pas mal. Sans compter le troll au début c'était pas mal. Ensuite on y va. Ok ça c'est pas mal. Pas mal, 9ème, c'est correct. Ça c'est le résultat de environ 2 heures de training sur cette map là. Même pas une heure en vrai vu que j'ai traîné toutes les maps. Bon là c'est pas bon, j'ai pas le bon angle. Ah Nist, ça va. J'ai été trop rapide. J'ai pas assez ralenti tu vois. Faut que j'arrive à prendre une trage qui serait la bonne. Là ici je galère souvent tu vois. Après apparemment il y a des fins en dessous. Ok d'accord, donc ça je savais pas qu'il y avait encore des fins en dessous. Je fais 12ème, bon. Y'a pas moyen d'avoir Ayako sur vocal. Ah, si il est chaud, moi je suis chaud pour go vocal avec Ayako hein, si t'es chaud. Le truc c'est qu'il y a plein de mécaniques de base du jeu que je connais pas donc il va se tirer les cheveux en voulant m'aider. Et salut à toi Ayako, comment tu vas? Yes. Ça va et toi? Ça va. Bah écoute, tu vas devoir m'aider parce que c'est dur hein. Ouais, t'inquiète, mais j'ai vu un peu ce qu'il y avait à faire mais. Mais y'a plein de mécaniques de jeu que je connais pas hein, tu sais. Bon, en vrai là, c'est pas des mécaniques là qui te faut frérot, c'est de l'entraînement. Ouais. Genre franchement.
qu'il n'y a pas grand chose à changer, tu vois, genre c'est juste niveau mental, genre niveau psychologique à améliorer là. Ouais. Mais niveau technique, tu vois, il n'y a pas. C'est pas des maps où il y a besoin de technique de ouf, de néo drift, de. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit plus si dur que franchement, ça. Franchement, c'est un peu dur. Sur toutes les maps, il n'y a aucun néo drift, genre vraiment. Mais je sais pas ce que c'est un néo drift, donc à partir de là, gros. Néo drift, c'est genre. Tu sais, t'as le drift que tu déclenches à une certaine vitesse, tu vois. Je sais même pas un drift, genre un drift normal, et puis t'as le drift qui se déclenche tout seul avec une mécanique, genre okay. à une vitesse à partir de 80 km/h. Ok. Voilà, c'est ça, genre c'est quand t'as pas de vitesse, tu néo drift, et quand t'as de la vitesse, tu drift. C'est ça quoi. D'accord. Mais en soi, quand je venais de parler de mental, tu vois, en gros, c'est genre t'as de la vitesse et tu vas dire faut pas que je touche le mur. Ouais. Et quand tu vas dire faut pas que je touche le mur, tu vas freiner, puis tu vas lâcher l'accélérateur. Faut pas. Ok. Faut pas ça. Faut que je continue d'accélérer ? Pour ton mental et pour que tu t'habitues à ça, il faut que tu fasses en sorte de savoir drifter pour éviter les nœuds. Mais ça arrivera plus tard. Je sais pas drifter de base. Ouais, mais ça arrivera, t'inquiète, tu vois. Vas-y. Est-ce que t'es dessus là? Ouais, sur toi. Ok. Donc là, tu vois, tu vises un peu à gauche. Ok. Ici, tu droites pour éviter que tes roues. Ouais. Pas trop. Tu restes au milieu tout en. Ok. Tout en lâchant l'accélérateur, tu vises toujours le milieu. Ok. Et là, tu vois, tu vises le milieu. D'accord. Genre, toujours viser le milieu. Ici, tu prends un peu à droite pour prendre la truc comme ça, tu vois. Ah, enfin, la trajectoire comme ça. Ouais. Et là, j'ai un peu lâché l'accélérateur. Hop. Et là, tu vois, je t'ai fait un truc safe. Et regarde, j'étais premier. Hein. Ouais, j'avoue. Tu vois, je t'ai fait un truc safe et j'ai pris mon temps. Ouais. D'accord. Et après, le finish, je le prends comme ça. Ah ok, donc comme ça t'as voilà. Moins de... Ouais, tu sautes pas quoi. D'accord. Mais bon... Bon, ça je le ferai pas quoi. C'est assez aléatoire quand même. Ouais, je le ferai pas trop quoi on va dire. Enfin tes roues à la fin, genre sur la première route... Ouais. J'ai l'impression que c'est qu'elle tombe bizarrement. Genre tu sais tu tombes avec le sol tu vois. Au start ? Au start ? Ouais, sur le start. Parce que je suis resté appuyé à droite. J'ai orienté quoi mes roues à droite. J'ai orienté mes roues... En gros... orienté tes roues, what the fuck. Bah en gros tu vois, c'est de l'anticipation. Genre là, full droite, avant le CP. Genre tu full droite avant le CP, genre tu orientes ta voiture à droite, genre tu tournes. D'accord, bah écoute, là tu vois t'étais pas au milieu, tu t'es un peu orienté à droite. Ouais, faut que tu tu vises le CP en gros tu vois. Ouais, vises le milieu. Chaud, tu vois toujours au milieu mon pote. Ouais ok. Là tu m'as dit un peu à part la droite là. Voilà, là tu restes un peu à droite et ah, tu gauche. Comme ça. Ah oui c'est bien. Ouais, mon pote. J'avoue c'est bien. Hop là. Mais j'ai préparé un peu de coaching, mais je vais pas te mentir. Pour éviter de venir en mode je vais arriver, je vais lui dire les techniques, il va rien comprendre, mais moi je vais attends, y apprendre. Je prends le cut, tout. Hop. Là t'as touché le boost à droite, c'est pas grave. J'ai un peu trollé, mais sinon ça va. Non, ouais, c'est pas mal. Voilà, ça que je dois tourner direct. Je me rappelle que le jeu peut être en. Je comme ça, ok. C'est pas évident, hein. Allez, la dernière, je la top 1 là, c'est bon. Là, je la top 1, c'est bon. Les gars, n'hésitez pas à faire des clips des conseils que je lui donne. Ouais, je vois. Histoire qu'on puisse. Mettre là, un peu tous les conseils. Non, mais tu passes quand même. C'est pas grave. Je full speed. Oh, dommage. Ah, putain, je pensais que je passais aussi. T'as lâché l'accélérateur ou pas? Non. Là, t'as. Alors là, je savais bise que c'était. Fin. C'était raté, la fin quoi. De la guerre quoi. Genre là, un peu trop tard, tu vois. Mais c'est quand même bon. Alors là, gros. Trop à gauche là. Ouais, et tu vois, t'avais trop de vitesse. Trop de vitesse ouais. Au pire, tu vois, ce que je peux te faire hors stream, c'est que je peux te faire des run Trackmania que je record en ouais. Safe way. Tu vois, ça évitera que je te prenne un round où tu peux t'entraîner et que moi, par exemple, je me fail et que tu puisses pas te montrer. Genre je peux te faire des trucs que je record, que je t'ai maintenant répertorié sur YouTube. Et comme ça peut te servir à toi et à Shark. Comme ça je peux avoir quelques infos sur le truc, ça peut être pas mal. En vrai ça peut grave m'aider. Là pour l'instant je galère encore. On peut faire ça. Moi je pense que la Dirt il va laisser. Pour moi il va enlever la deuxième. Enfin, c'est où il y a le passage cut au début. Parce qu'en gros celle-là, il aura peut-être un peu peur que ça se joue trop sur ceux qui savent prendre le cut. Parce que un mec ça qui entre guillemets est un peu moins bon au jeu. Ouais. C'est un peu plus compliqué. C'est mal que là. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Enfin, je sais pas. Les maps sont tellement bien en fait pour la Zilan.
Moi je les trouve bien, je suis juste un peu triste qu'elles soient courtes, mais... Oh bah tant mieux, ça me va très bien qu'elles soient courtes. Oublie pas de stab ici, LRB. Faut stab instant ça, le truc. Le truc c'est que si c'est je stab, j'ai l'impression que je peux plus gérer ma distance, tu vois. GG pourtant. Ok, donc. Mais si je mets un coup de frein dans les airs une fois, ça suffit. Dans les airs exact, exact. Et là c'est parfait ce que tu viens de faire, là c'est exactement la trajet opti. Là t'as drift comme un beau gosse, mec. Et là tu fais pareil, là tu fais exactement la même chose. Ah bah c'est pas exactement pareil là. Ouais mais parce que t'as un peu tourné à droite et donc du coup c'était un peu mal fait. Non j'ai raté. C'est exactement la même chose. On peut okay. Et pareil sur le petit saut, oublie pas qu'il faut t'orienter un tout petit peu à gauche. Franchement s'il devrait enlever une map, il devrait enlever une map, c'est la map d'Earth. La map d'Earth je la trouve trop particulière. Soit c'est la map d'Earth, soit c'est celle-là. Soit c'est celle-là qui l'enlève pour moi. Oh là le cut est trop important. Okay, c'est là tu passes trop bien. Là tu save comme ça, là tu vois t'es quatrième là. T'es devant étoile là mec hein. Mec j'avais un run B, du coup j'ai voulu archi grip. Ah c'est parfait. Quoi? C'est bien. Wouah. Ce qui t'arrive étoile t'as... J'ai pris un... Oh mais mec ma voiture elle a fait un dab. Ah ouais. J'ai stab. Tu vois là je cherche pas là. Parce que t'as lâché l'accélérateur. Mais sinon je prends pas le cut, je peux pas l'avoir le cut. Si tu... Genre tu foules, tu touches le frein pour freiner. Donc ouais, j'ai essayé de toucher le frein, mais j'ai pas. Tu vois, genre. Parce que t'as lâché l'accélérateur. T'as lâché l'accélérateur. Je dois faire quoi? Putain, mais là, je ralentis trop si je freine comme ça. Non, parce que en fait, à une vitesse, en fait, faut juste que tu touches un tout petit peu, tu vois. Genre, faut pas que tu restes appuyé longtemps, faut que tu. Genre, vraiment. Toute petite seconde, quoi. Ouais, ça, j'ai du mal. Même pas une seconde, quoi. J'ai vraiment du mal à comprendre quand est-ce que je peux freiner pour bien orienter la voiture. Genre ça, j'y arrive pas. Là, tu vois, c'est pas des erreurs, genre parce que t'es un débutant, c'est des erreurs. C'est parce que tu manques de training. Oui, c'est ça. Je prends pas la bonne trage. Et... Attends, mais là, tu passes comme ça, tout droit, là. Ouais, mais parce que j'ai beaucoup, beaucoup plus de speed. Ok. Là, je me rends compte. Je me suis pas mal baladé sur les streams des streamers qui vont à la Z-Lane, tu vois. Ouais. Et un truc qui m'a fait trop mal, c'est quasiment tous, quand je les entends parler, ils disent tous « Ouais, alors Trackmania, c'est super dur. H1Z1, c'est super dur. Bah, oh, Minecraft, ça, Minecraft, ça prendra genre une après-midi pour train parce qu'il n'y a rien à faire. » Ouais. C'est super dur, Minecraft, hein. Ah. Ah. Justement, c'est facile, quoi. Justement, c'est là où tu vas les brain, hein. C'est qu'ils vont arriver. J'avais si mal. Quand j'entendais des phrases, « Ouais, bon, Minecraft, c'est easy, par contre, wow. » Ça va être impossible. WoW, c'est juste de l'XP, c'est pas dur, je pense. Faut bah WoW, c'est random, mec. Ouais, faut juste savoir c'est giga random. Bien taper les mobs, tant mieux, tu vois. Mais moi, si j'étais à la place de l'API, j'aurais giga le seum. Parce que mon jeu, il se fait dans un truc où c'est un peu random, quoi. Minecraft c'est pas easy mais ça répute souffle de sa communauté en serre, c'est exactement ça. Mais en fait non, c'est pas aussi ça, c'est le fait que vu que le jeu a comme réputation peut-être pour une communauté très jeune, et sans se rendre pas compte que... Bah pour moi à partir du moment où un jeu te permet de pouvoir entre guillemets rouler sur tous les mecs qui sont moins bons que toi, ça veut dire que c'est skill. C'est-à-dire que si tu joues contre un mec, par exemple moi je duel un mec qui a genre que 50 heures de jeu par exemple, et qui utilise pas la canne à pêche, bah je sais que je peux parier 50 000 balles que je le 40-0 genre, duel. Mais vraiment... Genre sans aucun doute quoi. Y'a aucun doute, y'a aucune truc type. Quand le mec est moins bon que toi, tu gagnes. Genre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ok. C'est ça qui est trop stylé. C'est un peu comme, je pense, Jus, il était d'accord avec moi hier, quand on a joué, et il était en putain, mais je croyais pas, mais en fait, c'est comme Quake, ce qu'il disait. Qui est largement Quake, meilleur que toi sur Quake, tu peux jamais le battre et jamais prendre un. Bon, c'est comme LOL, hein. LOL, jamais tu bats un mec qui est plus fort que toi. Hein. Ouais, LOL. Voilà, parfait, enfin c'est le même exemple. Oula. Un bronzos il va jamais te battre en rien. Faut vraiment que je fasse rendre la merde, si jamais le mec joue un niveau classique et le très bronze, il va pas. Ouais mais genre en BO3, tu battras jamais quoi. Ah non jamais, c'est pas mal ça. Ah dommage que j'ai chopé mon early là, j'ai le seum. Bien fait après. Oh jure. Je monte sur le podium. Ah le boss. Je suis encore en galère là, je suis 12ème là, fais chier.
J'avais fait pas, j'ai fait pas mal de 600 rounds hier et j'arrivais jamais à faire vraiment beaucoup de points, j'arrivais même pas à faire plus de 100 points, tu vois. Après, le niveau était peut-être plus élevé, j'en sais rien, mais. En tout cas, là j'y arrive mieux quoi. Certaines personnes finiront jamais. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui finiront jamais les maps, hein, c'est sûr. Hein. C'est certain. C'est sûr, hein. Certain. Qui auront sur Trackmania 0 points quoi, c'est sûr. Faudrait que je sache aussi. Ah, écoute, tu sais quand on va mettre un skin de voiture ou pas? Parce que moi j'ai le skin ouais. De Solari, mais je sais pas quand on va mettre. Tu l'as mis dans tes fichiers ou pas? Non, pas. Bah on fera ça hors stream, c'est assez chiant. Ah ouais? Ouais. Alors faut revenir dans les fichiers du jeu, faut, faut que t'ajoutes le fichier, je sais pas s'il est public. Il est public le skin ou pas? Bah je sais pas du tout. Oh, ouais. Parce que ouais là c'était parfait. Parce que s'il est pas public en fait bah les gens sauront comment l'avoir. Vaut mieux ne pas le faire en stream. Ah, je sais quand je suis trop bon. Là, t'es... Ouais, là t'as pris trop de temps. Ouais, je sais pas pourquoi, des fois j'y arrive, des fois j'arrive pas. Pourtant, ça d'habitude, genre tout à l'heure j'ai bien fait. Ouais, bon, ça passe, mais je dois réussir au moins en 2 essais. C'est pas possible de le faire en 3, je perds trop de temps. En 3, genre il vaut mieux que je prenne safe way, quoi. Oh, j'ai une Audrius, ma mère. La vendeuse de baguettes. Parfait, ça a énervé. C'est pas mal. Ah bah, besoin de plus de commandes à manger, j'ai un code pour la livraison offerte. Let's go. Seulement j'avais pas de choc les deux fois au début là, j'aurais été pas mal. T'es un vrai, t'es giga fast learner ce corps là. Je jure c'est insane frère. Je suis arrivé, il savait pas lâcher un drift. Maintenant je l'ai fait toujours instinctivement encore, c'est assez dur. Ah, ça arrive, t'inquiète. Oh, t'avais un start tellement rapide. Dommage. Temps, après moi l'entraînement Zedland ça va pas mal dépendre de mon stage aussi. Mais bon, je sais pas si j'aurai vraiment de. Ouais, je sais pas bien. Ça ah, va. T'aurais dû plus freeze. Ouais. Là t'as drift. Et là t'aurais dû drifter plus intérieur, etc. Tu vois, mais c'est parfait. Ok. Intérieur extérieur. Yes. Ok. Mais je sais pas, moi dans ma tête je me dis c'est toujours plutôt extérieur-intérieur. Ok, tu vois, mais là t'étais trop extérieur au début parce que du coup t'as fait extérieur-extérieur. D'accord. Extérieur-intérieur. Mais moi je fais intérieur-intérieur, mais. Ouais, c'est plus dur à faire quoi. Voilà, c'est tu vois. En mode. Quoi, ils sont même pas capables de faire des protections anti-DDoS? Alors en fait c'est simple, tu ne peux pas faire de protection anti-DDoS. Ouais, si un mec qui est plus fort que toi veut t'attaquer, il finira par y arriver. Et c'est pour ça que. Ce que les gens disaient typiquement à Zerator pour la Zedlan, ils étaient en mode. Tu sais, il y avait plein de gens qui lui posaient sa question dans le chat, et Zerator était en mode bah en fait, on peut pas savoir. on va juste se protéger au maximum et on peut pas faire le mieux possible quoi. J'avoue, ça se trouve, il y aura juste pas de co et ce sera la merde, mais bon, on verra bien. Demande un sage à Lyon Espoir, oh non. Oh là, mais je suis un trolleur. Oh les lourds. Les gars, faut changer de disque un jour. Hein. Ok. Le trop long star, là, ça m'en... Bah écoute, tu te sens comment sur la dictée? La dictée, franchement, va falloir que je taffe, hein. Mais Samo, ouais. Il écrit normal. J'écris normal, en vrai, je pense avoir à peu près 10. Ah, mec, moi, je serais archi triste si je suis pas dans les premiers. Franchement, je vise entre 0 et 10. Entre 0 et 10, c'est déjà entre pas mal. Entre 0 et 10. Non, mais j'y arrivais trop bien tout à l'heure, et là, j'y arrive plus. Parce que vraiment, quand j'étais au collège, lycée, j'étais un crack hein, en français, hein, mais là, je suis éclaté comme pas possible. Troisième, putain, j'ai pas réussi à faire mieux que tout à l'heure, moi j'ai le seum, j'ai fait 14ème. 14ème, il est pas mal, 267 points, je crois que j'ai fait plus que tout à l'heure par contre. C'est pas mal. N'oublie pas d'où tu viens, FC Charo. Vas-y, ouais, moi je vais t'affaire. Ouais, pareil, moi je vais laisser là du coup, Wax, ça marche tranquillement. Gars. Merci encore à toi Yako, tu m'as bien aidé, c'était vraiment fun. Merci Yako, c'était cool. Y'a pas de soucis, si vous voulez encore un petit training ou autre, genre même hors stream, envoyez-moi un petit DM. Moi ouais, je suis chaud, hein. En vrai je pense que je vais essayer de jouer peut-être un peu ce soir. Et, ouais. Et on verra peut-être demain quand on verra. Ça dépend. Vas-y. De Wax, il fait son marathon, tu fais quoi midi 20h Wax? Bon en tout cas merci les gars, bisous, yes. Passez une bonne journée. Yes, merci à toi et demain ou ouais, ce soir. Et aux viewers aussi, hein, vous êtes oui, des beaux gosses. Merci aux viewers hein, bien sûr, qui nous ont aidés.